C'est sympa ce terrain là. Ça vous dit de faire claquer des trucs? Allez, on y va. Aujourd'hui, on se retrouve donc sur le site du Festival de Dour, qui est un immense terrain complètement dégagé et franchement juste taillé pour les explosions. Donc, petite série acétylène power. Pour faire ces explosions, on va utiliser donc de l'acétylène, plus précisément un poste à l'oxyacétylène, donc de l'oxygène pur et de l'acétylène dissous, qui sont normalement hein, utilisés avec ce système de chalumeau pour faire de la découpe à plus de 3000 degrés. Sauf que ce mélange de gaz dans les bonnes proportions, ça crame à Mach 5,5. En gros, ça explose quoi. Donc, un, vous le faites pas chez vous. Et deux, on a un micro-ondes là. Mais dis donc, Experiment Boy, il y a un micro-ondes. Allez, on y va. Donc là-dedans, on va y caler notre sac poubelle, puisque l'acétylène n'aime pas être trop sous pression, donc les ballons on évite. Notre sac poubelle, et on va lui coller une petite amorce pyrotechnique comme on a l'habitude d'utiliser. On va mettre ça contre, on va prendre bien nos distances, on va faire gaffe en manipulant ça. Et on envoie la sauce. Alors je le redis, l'acétylène est classé parmi les gaz les plus dangereux et les plus instables, vraiment. Si vous voulez, en gros, le méthane c'est là. L'acétylène, on est là avec le dihydrogène. Donc vraiment, ne tentez surtout pas ce genre d'expérience chez vous. Une étincelle, c'est très vite arrivé. Et à la vitesse et la puissance à laquelle ça frappe, votre bras, vous le ramassez à 2 km. Donc vraiment, on fait ça avec des professionnels. On a des artificiers qui sont là. Donc ne le tentez vraiment pas chez vous. Oh, c'est chaud. Quand je vous ai dit que c'était chaud. Et bien sûr, c'est mon système sécurisé de déclenchement à distance qui va nous permettre de faire le boom. J'ai pas envie de courir avec une mèche là. Non, vraiment. Non. Allez. On est prêt. Explosion de micro-ondes à l'acétylène. Dans 3, 2, 1. La carcasse. Ah, ça me fait du bien, hein, qu'est-ce que c'est bon. Plutôt une bonne explosion, un bon petit souffle qui a été quand même pas mal amorti par le micro-ondes, mais waouh, les débris. Bonjour. Oh, ça faisait longtemps, putain, qu'est-ce que ça manque. Et oh, c'est pas... Oh. C'est à vous, ça. Vous l'avez perdu tout à l'heure. Ouais. Heureusement que je fais attention quand même. Bon, l'acétylène, ça marche bien. Waouh. Slow motion. Du coup, tu vas avoir quelques problèmes pour chauffer ton café. Hein. Désolé, écoute, tiens, voilà. Ouais. Voilà. Voilà, la publicité pour Ikea. Ah merde, solide. Je vais devoir mettre un bip maintenant. Bon, vous l'avez vu, l'acétylène, ça cartonne plutôt pas mal. Prochain épisode, un lave-vaisselle, ça vous dit? Abonnez-vous vite, tout de suite, à la chaîne et mettez un beau petit like si ça vous a plu. On se retrouve pour le prochain épisode avec donc une explosion bien plus violente. D'un lave-vaisselle. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ce projet et à la prochaine. Ciao.